De visiteurs ont investi les allées du centre des expositions de Shanghai jeudi soir, le principal site de l'expo du livre de cette année, pour y trouver leur ouvrage favori. Beaucoup de personnes ont acheté des livres à ramener chez eux plutôt que de s'asseoir sur le site de l'exposition pour le lire. Un visiteur est même venu avec une valise pour ramener les ouvrages achetés pour son enfant. J'ai passé toute la journée ici et j'ai acheté beaucoup de livres pour mon fils. Je pense que c'est important de cultiver son habitude de lecture dès le plus jeune âge. Mais acheter n'est pas la seule façon pour les visiteurs d'accéder à leurs ouvrages favoris. Un service de prêt est également disponible au centre. Je ne peux pas m'offrir trop de livres, donc je pense que c'est pour quelqu'un comme moi. Un étudiant peut emprunter des livres depuis ici. De nombreuses personnes viennent emprunter des livres chaque jour. Les visiteurs ont emprunté plus de 300 livres hier et lors du salon de l'an dernier, nous étions à plus de 2000. Toute personne disposant d'une carte de lecture pour la bibliothèque de Shanghai peut utiliser le service du prêt. D'autres peuvent prendre une carte de lecture au second étage du centre des expositions de Shanghai, et ce, gratuitement.